Ladies and gentlemen, please welcome the coaches, judges, and athletes. Nine. C'est fait pour Kyle Tremblay, 28 à 28 sur cette dernière volée, mais quelle histoire! Il a su conserver ce point d'avance et systématiquement tenir le cap pour aller chercher cette victoire, 140 à 139. On a retrouvé Kyle Tremblay en quart de finale tout à l'heure. Là, ça a été la première fois d'ailleurs que Kyle Tremblay bat Michael Mayer. La dernière fois, c'était Mayer qui avait gagné du côté de Pilsen, mais ici, sur la plus grande scène de toutes, c'est Kyle Tremblay. Kyle Tremblay, 10, 9, 9, soaking up the pressure on that very last arrow to claim victory and move forward to the quarterfinals. 140 for him and Michael Mayer, 139. Bienvenue à la ronde quart de finale du tir à l'arc qui se déroule aux Invalides. Et on verra à l'œuvre le Canadien Kyle Tremblay, quatrième à l'issue de la ronde de qualification. Et il aura comme adversaire celui qu'on voit présentement, Rakesh Kumad. C'est un vétéran. Dans le cas de Kyle Tremblay, c'est sa première participation aux Paralympiques, lui qui a réussi à obtenir une place pour le Canada à l'automne dernier avec une médaille de bronze lors des Parapans américain qui se déroulait au Chili. Nous sommes prêts et Kyle Tremblay sera le premier à s'exécuter. Un beau 10 pour commencer pour Tremblay. Tremblay semble en forme. Et un autre 10, une troisième manche parfaite pour Kyle Tremblay. Déterminante. Le duel, en fait, un peu plus tôt, lors du dernier match, l'avant-dernier match, huitième de finale. Matt Stutzman l'a emporté justement sur une flèche en prolongation directement vers le centre, n'a aucune chance à Jerry Forsberg, son adversaire. On est prêt. Kumar getting
Une bonne performance de la part de Karl Tremblay à partir là, de la ronde de qualification. Quatrième, je le rappelle, lui qui a raté trois années complètes d'activité en raison là, de problèmes de santé. C'est quand même une performance digne de mention de la part du Canadien de Deep River en Ontario. Voilà donc ce qui complète son parcours en tir à l'arc libre. Alors que le Canadien s'est terminé et Rakesh Kumar va poursuivre, lui, sa route.